Mais aujourd'hui, nous allons sous l'Assemblée, dans les coulisses où le soir, ils se rassemblent pour découvrir notre terroir, pardon, goûter à l'identité nationale. Il y avait une dégustation de Bourgogne. Ambiance. Et voici le mythique Jean-Pierre Soisson, député bourguignon, ministre de François Mitterrand, l'élégance centriste. Partie de la soirée et la meilleure charcuterie que je connais. On en a le compris, il est comment le jambon ? C'est admirable. Et tout d'un coup, il a besoin de le dire à tout le monde. C'est admirable. Le meilleur d'ici, c'est ce jambon. Il est comment le jambon ? Admirable. Et le vin, il est comment le vin ? Correct. C'est bien. Ça mérite un petit Bourgogne. Et hop là, et là, député, toujours, il lance un débat de fond. Mesdames et messieurs, j'aime le Bordeaux moyennement. Parce que je suis bourguignon. Mais vous avez un jambon exceptionnel. Exceptionnel. Je vous le dis franchement, exceptionnel. Bordeaux contre Bourgogne, c'était le gros débat de l'identité nationale de cette semaine. Pendant ce temps à l'Assemblée, le débat Bourgogne contre Bordeaux continue. Admirable. Vous me redonnez un verre. Et c'est Xavier Darcos qui, dans son discours, va relancer la polémique. Vive les vins de Bordeaux et de Castillon. Je voudrais dire un mot.